Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. En cette date du jeudi 7 mai, autant pour moi, 7 juin 2018, depuis Paris, recevez la grâce de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, recevez la grâce de Dieu chez vous. Nous sommes à l'école des mystères. Voilà, à l'école des mystères. Et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important, l'enseignement sur la prière. Voilà, donc connectez-vous. J'attends que vous vous connectiez pour qu'on puisse avoir quelque chose de très puissant aujourd'hui. Voilà, les élèves, vous êtes à l'école de la connaissance. C'est ce qu'on appelle. Je suis à Paris. Justement, je suis là pour le programme de Paris. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Je viens à peine de me réveiller. Tout va bien. Connectez-vous, commencez à partager. Commencez déjà à partager dans les différentes pages. Voilà, commencez. Nous allons voir beaucoup de choses ce soir concernant la prière. Ouais, parce qu'il faut que nous prions. Seigneur, merci pour cette rencontre ce soir, de ce que tu nous bénis encore. Tu nous accordes cette grâce de comprendre beaucoup de choses concernant la prière, de nous élever au travers de l'enseignement, de nous ouvrir encore des portes. Et de nous faire du bien par la puissance de ton esprit, de nous restaurer, de nous bénir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci d'agir pleinement dans notre vie. Voilà, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Partagez déjà les vidéos. Je suis sur Paris. Voilà, je suis sur Paris pour, n'est-ce pas, un programme. Voilà un programme de taille. Le programme, c'est un programme, n'est-ce pas, de prière et de rencontre. Voilà. De rencontre, prier pour vous. Prier pour des gens qui ont des soucis, qui aimeraient voir le prophète. On a organisé un grand programme la dernière fois sur Paris. C'est vrai, en salle, on n'a pas eu l'occasion de prier individuellement pour les gens et tout ça. Donc, cette fois-ci, l'occasion est donnée aux gens d'être là. Je crois que demain soir, vous appelez déjà, c'est moindrement quelque chose. Ça, c'est vraiment très important de soutenir, n'est-ce pas, ce programme. Voilà. Parce que, comme je disais, il faut soutenir pour qu'on puisse avoir accès à la salle. Donc, ils vont vous demander franchement quelque chose, un soutien, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous puissiez contribuer. Et ça, c'est vraiment très important. Le prophète n'avait pas de salle ici. C'est vous qui devez mettre les moyens à la disposition afin de pouvoir prendre une salle. Donc, ils vont vous demander une contribution. Ne voyez pas ça comme un péché. Non. Ne voyez pas ça comme un péché pour dire, ah non, on vient à la prière, on nous dit de contribuer. Mais tu penses que qui allait contribuer? Vous pensez que c'est qui doit contribuer? C'est pour ça qu'il ne faut pas voir les choses de Dieu comme une gratuité. Tout moment, ça doit être gratuit. C'est gratuit quand. On finance. Pourquoi Dieu ne nous donne pas les moyens? Pourquoi Dieu ne casse pas les plafonds? Mais c'est pour dire que c'est chacun d'entre nous qui doit contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc demain, vendredi, on aura vendredi demain, et également aussi la journée aussi de samedi par la grâce de Dieu. Voilà, on a demain et puis également samedi. Comme ça, on aura l'occasion de vous voir en privé, prier pour vous, pour faire votre délivrance, prier avec vous. Vous écouter, vous aider, n'est-ce pas, vous donner des idées, le coaching, vous orienter, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. J'espère que tout le monde est là, tout le monde a, vous êtes tous à votre position, que Dieu vous bénisse. Comme je disais, c'est vraiment important. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de. Ouais, vivant très. Nous sommes en train d'organiser beaucoup de choses concernant le ministère. Voilà. Depuis, voilà, que Dieu Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu chez vous à la maison. Recevez la grâce de Dieu. Donc, on a un enseignement, on poursuit. Je dis cet enseignement sur la prière nous prendra pratiquement une semaine. Demain, c'est vrai que demain, on aura une pause. Demain, on aura une pause puisqu'on sera en salle. Samedi également. Nous allons reprendre l'enseignement dimanche soir. Dimanche soir, nous allons reprendre l'enseignement. Nous allons reprendre aussi l'enseignement aussi lundi. Voilà, donc nous allons poursuivre l'enseignement. Après aujourd'hui, nous avons une pause à cause du programme de demain, vendredi et samedi. Je revenais encore sur l'enseignement dimanche soir à 22h, revenir encore sur l'enseignement. Et après ça aussi, on aura aussi l'occasion de voir encore l'enseignement lundi, mardi
et sur la prière. Voilà, que Dieu bénisse. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important, qui est la prière. On a dit, sans la prière, un chrétien n'a pas de vie. Sans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Sans la prière, il n'y a pas de réveil. Pour accéder au réveil spirituel, pour rentrer, excusez-moi, dans les grandes dimensions, il faut forcément avoir, n'est-ce pas, à rentrer dans une vie de prière. Voilà, une vie de prière. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'enseigner la prière. Et c'est l'élément le plus important pour les chrétiens que nous sommes. Voilà, donc écoutez, la dernière fois hier, nous avons vu, n'est-ce pas, les sept étapes de la prière. Nous avons parlé des sept étapes de la prière, la sanctification, ainsi de suite, les sept étapes de la prière que nous allons réviser aujourd'hui. Nous avons vu les sept étapes de la prière, la sanctification, n'est-ce pas, la première étape, la sanctification. Nous avons aussi vu l'adoration. Nous avons essayé de voir dans nos sujets que nous apportons au Seigneur, le combat spirituel, n'est-ce pas, l'intercession, la proclamation de foi, c'est que nous disons merci au Seigneur, et la conclusion qui est de remercier le Seigneur. Voilà, donc les sept étapes. C'est pour dire qu'on veut commencer à prier, on ne rentre pas comme ça dans la prière. Il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'est vraiment très important. Je l'ai expliqué. Et que Dieu étant trois fois saint, on ne vient pas comme ça. Non. On commence déjà par se sanctifier. Ça y est, que ton nom soit sanctifié, la prière de la béatitude. Nous comprenons que c'est vraiment un cheminement dans la présence de Dieu. Pour dire, quand vous voulez commencer déjà à prier, vous devez vous souvenir que vous êtes pécheur. Selon 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 8, la Bible dit que celui qui dit n'a pas de péché est un menteur. Alors, si nous avons péché, confessons nos péchés. Le verset 9 dit, il est juste et fidèle de nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Ce qui va nous intéresser, c'est Ésaïe 59, où la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour tout entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et lui et qui l'empêchent de nous écouter. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que par moment, il y a les prières qui ne montent pas vers Dieu parce qu'on ne commence pas par le commencement. Voilà. C'est pour ça que par moment, il y a des gens, leurs prières ne sont pas exaucées. Ils sont pressés. Ils ont tellement de soucis que dès qu'ils commencent, ils commencent déjà à donner le sujet. Ils commencent déjà par leur sujet. Seigneur, Seigneur, je suis malade. Seigneur, agis. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Voici ce que je vois. Non. Dieu est le trois fois saint. Donc, quand on rentre dans la présence du Seigneur, la première chose qu'on doit d'abord faire, c'est d'abord de se sanctifier. On reconnaît d'abord son péché. C'est comme ça. Au temps de Moïse, le tabernacle, j'avais le lieu saint. Le lieu, le parvis. Dans le parvis se trouvait la place du sacrifice du pardon des péchés. Voilà. Après le pardon des péchés, le parvis, il y avait aussi l'endroit qu'on appelle le lieu saint. Et après ça, le lieu trois saints. Trois fois saint, autant pour moi. Donc, pour accéder à la présence de Dieu, il faut d'abord chercher à se sanctifier. Parce que la Bible dit que non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver. Mais, il y a un mais, nos péchés. Et nos crimes. Les gens disent, mais j'ai commis quel crime? Mais le fait même de haïr ton prochain, d'avoir de la haine pour ton prochain, c'est déjà un crime. La Bible dit que celui qui a de la haine pour son prochain et pour son frère est un meurtrier. Donc, dans la présence de Dieu, c'est là qu'on prend le temps de se sanctifier. On prend le temps de demander pardon. Il y a des gens qui vont beau prier. La Bible dit que la voix d'un pécheur, n'est-ce pas, est comme un tombeau ouvert. C'est-à-dire, quand tu commences à prier sans être sanctifié, sans commencer par la sanctification, c'est comme la voix qui monte vers Dieu, c'est comme la voix d'un WC ouvert. Ouais, Stéphane de Blanc, shalom. Donc, c'est pour cela que quand vous commencez par la prière, vous devez d'abord vous souvenir d'une chose, que vous êtes pécheur, et que sans Dieu, vous n'êtes rien, et que Dieu est trois fois saint, et vous commencez déjà à vous confesser. Demandez d'abord pardon pour vos péchés. Demandez pardon pour ce que vous faites chaque jour. Demandez pardon pour ce que vous avez fait qui a déplu le Seigneur. Et que demandez au Seigneur de vous sanctifier. Ça, c'est la première étape très importante. Voilà. Par contre, bonsoir, suffisant doté. Par contre, les soirs, vous devez le faire. Par contre, matin,
quand vous réveillez le matin, vous commencez d'abord par l'adoration avant la sanctification. Je vais expliquer. Je vais bien expliquer pour qu'on puisse comprendre. Donc, j'ai dit, il y a sept étapes de la prière. Il y a sept étapes dans la prière. Il y a sept étapes de la prière. Il y a la sanctification, l'adoration, n'est-ce pas? Et là où on donc présente nos propres sujets personnels à Dieu, n'est-ce pas? On présente nos sujets personnels à Dieu. Et après ça, l'étape du combat spirituel, hein? L'intercession, n'est-ce pas? Où on prend le temps de dire, on fait notre déclaration de foi, je remercie Dieu parce que je suis chrétien, et ainsi de suite. Et après cela, on prend le temps. Voilà. On prend le temps maintenant de dire merci à Dieu, la conclusion. Donc, il y a sept étapes de la prière, il y a sept étapes. Voilà. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Le développement. Hier, j'ai fait le survol. J'essaie de survoler un peu la chose. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de parler, n'est-ce pas, les temps favorables pour la prière. Et puis, en même temps, je reviens encore sur les étapes, les temps. C'est-à-dire, par exemple, vous allez me poser la question, quel est le temps propice pour que j'en puisse prier matin? Qu'est-ce qu'on doit faire le matin? Quand vous lisez dans le psaume, allez-y dans le psaume 119. Vous prenez la Bible, psaume 119, le verset 147 nous dit quelque chose. Il dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore. Le verset 145 du chapitre 119 de Saul, j'invoque de tout mon cœur, exauce-moi l'Éternel, afin que je garde tes instructions dans ma version. Le verset 46, je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Le verset 47, il dit, je dévance l'aurore. Donc ça veut dire, avant, à l'aurore, je dévance l'aurore. L'aurore, c'est la transition, ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. L'aurore, c'est ce qui se met entre le jour et la nuit, donc 4 heures du matin, une heure très stratégique. C'est à partir de cette heure-là, à partir de 4 heures du matin, que s'ouvrent les portes de la journée. À partir de 4 heures du matin, s'ouvrent les portes de la journée. Nos frères musulmans, ils savent ça, ils ont ce mystère-là. Donc, à partir de 3h30, vous allez voir le musée. Il va crier Allah, mais dans tout Paris, la micro là même là. Et ça sonne. Allah Akbar. Oui, dans tout Paris. Donc à partir de 3h30, n'est-ce pas? Même un sorcier, quand il commence à attaquer sa victime, quand il commence à travailler les sorciers, déjà à partir de 3h30, il commence à plier leur bagage. Et il ne dépasse pas l'aurore. Sauf cela que, même les esprits, sauf cela que Jacob, quand il luttait avec l'ange, l'ange lui dit. Laisse-moi aller. Et Jacob dit, je ne te laisse pas partir. L'ange dit, laisse-moi aller parce que l'aurore arrive. C'est maintenant l'aurore. Il dit, non, je ne te laisse pas partir. Même si c'est l'aurore, tu dois me bénir. Donc, vous voyez, pour dire l'aurore, c'est vraiment important. Hein, n'est-ce pas? C'est important. À partir de 3h30 du matin, c'est cette heure-là qui est une heure très stratégique, n'est-ce pas, de prière matinale. L'aurore. Vous devez vous réveiller très tôt le matin. À partir de l'aurore. Amen, amen. J'espère que vous écoutez un peu l'enseignement que je suis en train de vous donner. Donc, matin, quand vous vous réveillez, mais précisément, vous devez vous réveiller à partir de 3h30 du matin. Et quand vous vous réveillez à 3h30 du matin, la chose que vous devez faire, c'est d'abord, quand je lève du lit, vous allez me dire, mais je lève du lit, je fais comment? D'abord, quand vous levez du lit, chose importante, quand tu te lèves du lit, il faut à 3h30. Quand tu te lèves du lit à 3h30, tu mets d'abord ta main sur ta tête. Il faut commencer déjà à dire merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé. Et puis, proclamer déjà les bonnes paroles sur ta vie. Et en même temps, chercher à prier. Tu vas me dire, mais est-ce que il faut commencer par les sept étapes de la prière? Voilà. Je t'explique. Quand tu sors du lit, tu remercies le Seigneur et tu commences déjà à déprogrammer. À cette heure bien précise, on déprogramme
tout ce que le diable a programmé contre nous. Tu as me dit, mais non, mais pourquoi je ne commence pas par la sanctification? Parce que tu as dit, il faut commencer par la sanctification. Quand tu te lèves, tu déprogrammes d'abord. C'est cela que c'est vraiment important de vous éclairer sur ça. Voilà. Pourquoi? Tu dis déjà, quand tu te lèves du lit, tu dis, je déprogramme toute la programmation du diable faite sur ma vie. La mort, l'accident, tout ce qu'il a fait, programmé contre moi cette nuit, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous annulez ça. Voilà, parce que eux, ils programment la nuit. Ils travaillent dans la nuit, n'est-ce pas? Et quand tu déprogrammes, tu dis, je programme maintenant la bénédiction, hein, la vie, le succès et la bénédiction. Voilà, parce qu'après avoir fini de programmer, il faut programmer. Parce que la vie est faite de déprogrammation et de programmation. C'est ça que la Bible dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sera délié. Voilà, donc c'est délié et lié. Voilà, donc quand vous déprogrammez, pourquoi? Parce que ce qui va t'arriver a été déjà programmé. Le hasard n'existe pas. Ce qui va t'arriver aujourd'hui a été déjà programmé. Ce qui va t'arriver aujourd'hui a été déjà programmé. Donc, c'est toi qui dois maintenant faire la déprogrammation. Le diable, il programme. Il programme. Eux, ils travaillent la nuit. À partir de minuit, ils commencent à travailler. Il dit, tel frère, dans la journée, à partir de 9h, nous programmons un accident de circulation à 9h. C'est programmé, hein? Bien précis. Il faut qu'il rentre sous un car. Ou bien que la voiture passe, se jette dans un ravin. Ou bien ceci, cela, il programme. Donc, c'est programmé. Or, toi, quand tu te lèves matin, comme eux ont programmé, toi, tu viens déprogrammer. Tu viens d'abord déprogrammer la mort. Tu as un rendez-vous. Tu déprogrammes déjà tout ce qui est esprit qui va influencer, n'est-ce pas, ton rendez-vous. L'esprit qui va vouloir attaquer, n'est-ce pas, ton rendez-vous d'emploi, ton rendez-vous de business. Tu vas attaquer ça dans la prière. Tu attaques ça dans la prière. Tu déprogrammes tout ce que l'ennemi, parce que quand tu as un rendez-vous d'affaires, eux aussi, ils traitent aussi pour programmer l'échec, pour programmer le non-aboutissement. Ils programment tout ça. Donc, tu déprogrammes, n'est-ce pas, dans ta prière, tu pars déprogrammer tout ça. OK? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu programmes la bénédiction. Tu programmes la grâce de Dieu. Tu programmes la grâce de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que quand vous regardez dans Job 38, Job 38, à partir du verset 11. Bon, d'abord, le verset 12, Job 38, le verset 12, on dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as commandé au matin, est-ce que tu as montré la place à l'aurore ?» Vous savez, il dit, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as monté sa place à l'aurore? Parce que l'aurore a besoin des instructions. Voilà. Est-ce que tu as commandé? Il dit, depuis que toi tu existes, depuis le Job 38 à partir du verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Donc, il faut commander, il faut proclamer des choses au matin. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre, et que les méchants soient secoués. Donc, c'est clair. Donc, tout dépend de toi. Quand tu te lèves matin, tu dois programmer des bonnes choses sur ta vie au cours de la journée. Donc, j'ai dit, je reprends. Tu te lèves matin, tu mets ta main sur la tête pour dire, merci Seigneur de m'avoir réveillé en bonne santé, ceci, cela. Je mets ma main, je déprogramme durant toute cette nuit, je déprogramme le plan du diable. Durant toute cette nuit, tout ce qu'ils ont fait sur ma vie, accident, blocage, humiliation, tout ce qu'ils ont programmé, hein, n'est-ce pas, quant à ma vie, ils sont allés s'asseoir, faire un conseil de la confrérie, de la sorcellerie, quant à moi, ils ont décidé quelque chose, hein, n'est-ce pas, ils ont programmé à des dates, à des heures, moi, en tant que Joël Crasso, je déprogramme tout ce qui a été fait, qui a été programmé, quant à moi, durant cette journée du vendredi 8, je déprogramme ça, durant les siècles, maintenant les années qui vont venir, je déprogramme tout ça. Maintenant même, je programme maintenant la bénédiction sur ma vie. Je programme le succès. Je programme la grâce.
voyez? Donc, après avoir annulé leur programme, vous programmez des bonnes choses. N'est-ce pas? Ça, c'est une étape très importante. Il dit, est-ce que tu as monté? Est-ce que tu as commandé? N'est-ce pas? Voilà. Donc, après avoir fini ça, c'est là maintenant que tu rentres maintenant dans la phase de la prière. Des sept étapes. C'est là que tu rentres dans la phase de maintenant, après avoir déprogrammé, programmé, et déprogrammé, programmé, et que maintenant tu rentres dans la phase de sept formes, les sept étapes de la prière. Maintenant, qu'est-ce que tu commences? Tu commences par quoi? La sanctification. Voilà, la sanctification. Tu présentes ton cœur à Dieu, n'est-ce pas? Tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences maintenant à présenter tes sujets, n'est-ce pas? Et tu commences maintenant le combat spirituel, n'est-ce pas? Tu intercèdes en faveur des autres, n'est-ce pas? Et puis maintenant, tu fais la proclamation de foi. Et après ça, n'est-ce pas? Tu remercies le Seigneur de t'avoir exaucé, n'est-ce pas? Ça, c'est les sept étapes. Après avoir fini les sept étapes de prière, il y a ce qu'on appelle la prière prophétique, qui est très important pour matin, le psaume 23. Le psaume 23, c'est un psaume très important. Pour ceux qui sont dans le domaine des affaires, du business, de commerce, n'est-ce pas? Reprenez le psaume 23 21 fois. C'est vrai que les gens, ils le font 7 fois. Gloire à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais les gens qui rentrent dans une dimension, n'est-ce pas, d'affaires. L'Éternel est mon berger. Généralement, les Juifs disent Baruch HaShem. Baruch HaShem. Voilà, Baruch HaShem. L'Éternel est mon berger. Je ne manque. On ne dit pas je ne manquerai. Ne conjuguez pas ça au passé, mais pardon, au futur. Conjuguez ça au présent. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je traverse, j'avais l'habitude de programmer dans le combat. Je n'ai pas compris. Même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table afin de mes adversaires. Tu oins d'une ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, il faut faire la programmation, n'est-ce pas? La prière prophétique. Tu prophétises pour dire l'Éternel est mon berger. Au coup, je ne manquerai. Je ne manque plutôt de rien. Et si tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, le ciel t'est favorable. Les choses s'ouvrent, n'est-ce pas? La grâce vient sur toi parce que tu viens de confesser quelque chose de positif. C'est ça que vous allez voir tous les Juifs, vous voyez, tous les Juifs, quand ils vont vouloir rentrer, n'est-ce pas, quelque part, ils vont reprendre le psaume 23, n'est-ce pas? Ils vont toujours reprendre le psaume 23 parce que ça a une portée de bénédiction pas possible. Voilà. C'est une déclaration pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne vais pas manquer. Donc quand tu dis, je ne manque de rien, ta confession de foi fait que le Seigneur est obligé, dans l'obligation de t'ouvrir les portes au cours de la journée, le Seigneur est obligé d'apporter la paix. Il dit, même quand tu traverses, donc quand tu vas avoir une difficulté, tu vas la traverser, tu ne vas pas périr dedans. Donc ce psaume-là, ce psaume-là est vraiment très important. Ce psaume-là, il est vraiment très important. Donc je reprends, pour dire, leur stratégie de prière, c'est à partir de 3h30 du matin. À partir de 3h30 du matin, quand vous vous réveillez, après avoir fini vos concerts, biololololo, le biololo, vous finissez vos concerts, mais 3h du matin, c'est ce qu'on appelle l'aurore. Il dit, je dévance l'aurore. Donc l'aurore, c'est à 4h. Mais avant l'aurore, toi, tu te lèves déjà. Et tu commences à dire, je dévance l'aurore et je crie. Voilà. Donc quand tu dévances l'aurore, selon Psaume, le chapitre 19, 119, le verset 147, il dit, je dévance l'aurore et j'écris. Donc, quand tu dévances l'aurore, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier. En faisant quoi? En déprogrammant. Je déprogramme la mort. Je déprogramme l'esprit d'accident. Je déprogramme tout ce que le diable a programmé contre ma vie. N'est-ce pas? Vous déprogrammez tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Après avoir déprogrammé le système du diable, vous pourrez... Ouais, je prie de 3h jusqu'à 4h. Non, ce n'est pas suffisant. De 3h, c'est de 3h. C'est de 3h normalement, de 3h30 jusqu'à 5h du matin, qui est beaucoup conseillé. 5h, voilà. 3h30 jusqu'à 5h. Voilà, parce que 4h du matin, c'est vrai, ce n'est pas mauvais. 3h, 4h, mais il faut progresser jusqu'à 5h du matin. Ça, c'est plus intéressant. Voilà, vous pouvez arrêter la prière à 5h. Je reviendrai encore, je vous donne aussi l'enseignement sur
comment avoir des veillées de prière, comment avoir des rencontres de prière, des veillées de prière. Et ça, j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu ça, comment passer toute une nuit dans la prière, qu'est-ce qu'il faudra faire dans le combat spirituel pour passer toute une nuit dans la prière. Mais pour l'heure, c'est des heures stratégiques. C'est-à-dire, l'heure matinale, c'est l'aurore. Et l'heure stratégique, c'est à partir de 3h30. À partir de 3h30 du matin, vous postez, vous vous réveillez, vous annulez tout ce que le diable a programmé contre vous et vous reprogrammez, n'est-ce pas, les bénédictions de Dieu sur votre vie. Et quand vous allez commencer à programmer les bénédictions de Dieu sur votre vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Après avoir fini ça, vous revenez maintenant dans les 7 étapes de la prière. La sanctification, l'adoration, n'est-ce pas? L'étape où on prend les sujets au Seigneur, l'étape, vous voyez, donc, après tout ça, c'est les 7 étapes de la prière. La sanctification, l'adoration, le sujet, le combat spirituel, n'est-ce pas? L'intercession, là où on fait la déclaration de foi, et après, c'est la conclusion, n'est-ce pas? Où on remercie le Seigneur. Il a dit, tout ce que vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Vous comprenez? Donc, c'est très important ça. C'est très, très important. Ouais. Donc, voici un peu ce que vous devez faire. Voilà. Donc, voici un peu. À partir du matin, vous commencez déjà à prier. Ça, c'est l'aurore. 3h30. 3h30, vous commencez la prière à partir de 3h30. Vous comprenez? À partir de 3h30 du matin jusqu'à 5h, ça peut vous prendre. N'oubliez pas que quand on se réveille matin, on doit déprogrammer. Donc, voici un peu ça déjà pour matin. Voilà. Ouais. Les heures du matin, c'est 3h30, parce que l'aurore, c'est 4h. 3h30 à 5h. Voilà. Une prière pleine comme ça, 1h30. Tu es déjà satisfait pour beaucoup de choses déjà. À part en 3h30 et 4h, on fait la déprogrammation. En 3h30 en 3h30 et 4h, vous déprogrammez et vous programmez la journée. N'est-ce pas? Et maintenant, à partir, voilà, 5 heures, vous commencez déjà la prière, n'est-ce pas? La prière normale, n'est-ce pas? Des 7 étapes de la prière, la sanctification, n'est-ce pas? L'adoration, la sanctification, l'adoration, où on présente le sujet à Dieu. Donc, voici les 7 étapes. Et maintenant, matin, n'oubliez pas de faire la prière prophétique avec le psaume 23. Que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige. Près des eaux paisibles, restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Baruch HaShem, mon Père, t'es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'une ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, pour avoir le livre demain, pour ceux qui veulent le livre, vous pouvez déjà voir le livre demain. Demain, les livres seront vendus en salle. Voilà, donc voici un peu. Aujourd'hui, nous avons parlé déjà des heures. Demain, je pense que le dimanche, je vais revenir encore là-dessus et parler du soir, la nuit. Quelles sont les prières que nous devons adresser? Quand tu fais un cauchemar, qu'est-ce que tu dois faire comme prière? N'est-ce pas? Quand ta maison est menacée, qu'est-ce que tu dois faire? Et quand tu as envie de savoir des présents dans ta maison, ce qui se passe réellement dans ta maison. Quelles sont les prières que tu dois adresser à Dieu pour que Dieu te montre? Ça, on va essayer de voir ça, n'est-ce pas, le dimanche. Voilà, pour l'heure, on va aller pas à pas, comme c'est une école de prière. Voilà, donc je pense que si tu ne pries pas, c'est que toi-même, c'est toi-même qui crée des problèmes. Voilà, parce que faut pas penser que c'est quelqu'un d'autre qui viendra prier pour toi. Voilà, et je vous disais que ne pas prier, c'est pécher contre Dieu. Parce que Dieu même dit, prie sans cesse. Il dit de prier sans cesse. Donc, nous devons prier. Voilà, nous devons prier. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, nous dit prier sans cesse. Voilà. Voilà, donc, on aura l'occasion de voir beaucoup de choses. Au fur et à mesure que vous allez être formés dans le domaine de la prière, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. Dieu compte sur vous. C'est-à-dire, vous-même, vous devez vous lever dans la prière. Tant que vous ne vous levez pas dans la prière, vous ne verrez jamais Dieu faire de grandes choses. Même Jésus, il a eu une vie de prière. Il dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Donc, ça veut dire, quelque part, tu dois avoir une vie de prière.
Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois être un guerrier, une guerrière de la prière. Tu dois être un homme qui prie. Tu dois être révolté dans la prière. Tu dois être celui-là qui est puissant dans la prière. Ouais, on me posait la question si tu fais des songes incroyants, incohérents. Incroyables plutôt. J'aurai l'occasion de revenir sur les songes. On va aller pas à pas. Nous sommes dans l'étape de la prière. On ira pas à pas, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer un peu les songes. Quand tu te réveilles en sursaut, quand tu vois le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va aller un pas à pas. Je pense que je vais revenir là-dessus en ce qui concerne les songes le dimanche prochain. Le dimanche à partir de 22h, je vais revenir sur les songes. Je vais parler de ça. Je vais parler des songes. Voilà. Les songes diaboliques. L'adresse de la salle est juste au-dessus de... Moi, je ne connais pas vos adresses. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Sinon, vous appelez 00-337-62-40-24-84. Et comme je disais, c'est moyennement quelque chose. Ils vont vous demander. Hein. Ils vont vous demander de contribuer. Hein. Ça, si vous venez, ils vont vous demander. Ils vont dire, frère, tu es venu. Mais comme c'est un programme où le prophète Krasso aura l'occasion de vous recevoir en privé et tout ça, il faut contribuer. Voilà, donne ta participation. Donc, ne soyez pas, ne soyez pas choqué. Voilà, pourquoi pour Dieu, là, ça vous choque. Voilà, donc, vous devez participer. Je veux le livre, s'il vous plaît. Je vis à New York. Pas de souci. Vous aurez le livre par la grâce de Dieu. Voilà, vous aurez le livre par la grâce de Dieu. C'est à vitrine chez 7. Et donc, j'informe que tous les enfants spirituels, vous devez être là. Venez soutenir le Père. Venez nous soutenir. Venez soutenir ce programme. Et demain, nous allons prier pour les gens. Demain, samedi encore, on aura aussi un programme de taille par la grâce de Dieu. Voilà, donc, je pense que je vais aller pas à pas pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est pour ça que j'ai pris mon temps, j'ai donné un coup sur l'aurore. Voilà, la prière matinale. Et donc, quand je dis l'aurore, c'est à partir de 3h30, n'est-ce pas, 3h30, vous réveillez matin, vous déprogrammez. À partir de 4h, vous déprogrammez les choses. Et en même temps, il y a aussi la prière, n'est-ce pas, des 7 étapes de la prière. À partir de 5h, voilà, vous faites l'étape. Et n'oubliez pas aussi, à la fin, de reprendre le psaume 23. Pour d'autres personnes, 7 fois, ce n'est pas mauvais. Pour d'autres personnes, 7 fois, pour ceux qui sont dans les business, dans les affaires, 21 fois, ce n'est pas aussi mauvais. Voilà. Le comité de Londres, vous allez voir tout à l'heure, s'appelle Aïdara. Aïdara, bon, le comité de Londres, on va vous donner les contacts parce qu'il y a Mme Guessant. Il y a aussi Mme Guessant. Voilà, il y a Mme Guessant, je crois bien, Mme Guessant. Voilà. Voilà, Mme Guessant. Il y a le comité de trucs. On vous donnera le comité. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, une délégation sera à Londres. Et après ça, nous serons au Canada avec une délégation. Et on vous donnera des dates définitives de ma venue au Canada et de ma venue, n'est-ce pas, à Londres. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler sur les deux dates. Voilà. Donc, la semaine prochaine, voilà, sur Londres. Une délégation arrive sur Londres. Voilà. Je pense que le 13, une délégation sera sur Londres. Et après ça, une autre délégation sera au Canada. Justement, après les réunions, on va poster les vidéos pour de la sortie de la réunion. Qu'est-ce qu'on a arrêté? Parce qu'aujourd'hui, il faut que, n'est-ce pas, ma présence, n'est-ce pas, dans ces pays-là, soit bien organisée. C'est à... C'est 00-332-62-40-24-84. Voilà, donc voici un peu la prière. Donc, rendez-vous est pris, n'est-ce pas, pour dimanche. Je suis un peu fatigué. Par la grâce de Dieu, je prépare le programme. Je suis obligé de descendre tout à l'heure pour aller faire mon sport. C'est comme ça. Je dois faire le sport pour courir tout à l'heure. Voilà, pour maintenir un peu la forme. Je dois courir tout à l'heure. Voilà, pour maintenir la forme. Je viens de me réveiller, donc il fallait que je fasse le direct. Soyez bénis. N'oubliez pas que le programme aura lieu demain. Venez pour qu'on puisse s'entretenir avec vous, prier pour vous, vous aider, faire l'action prophétique avec de l'huile d'onction, déprogrammer. Ça, c'est vraiment très important. Déprogrammer tout ça. Déprogrammer tout ça. On va parler. Parce qu'en salle, j'aurai un enseignement que je vais vous donner. Et après ça, après l'enseignement, si j'ai fini de vous donner l'enseignement, j'aurai l'occasion maintenant de parler avec vous en privé. Voilà. Qu'après l'enseignement,
on priera pour vous, on chassera les démons, et après ça, on vous prendra en privé, one by one, jusqu'au petit matin. On fera de sorte que on atteint jusqu'au petit matin. Vous recevoir jusqu'au petit matin. Donc, ne manquez pas d'être là demain à partir de le programme, déjà 19h, 20h, parce que c'est au petit matin. Voilà, non, vous aurez de l'huile en salle. N'oubliez pas de ces trois bouteilles d'huile d'onction. N'oubliez pas. Voilà, on fera le bain d'huile demain par la grâce de Dieu. Et également samedi. Samedi aussi, on priera pour les gens, on les écoutera. Et ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, on aura l'occasion de prier pour les gens. Voilà, je vais m'apprêter à aller faire mon sport. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris pour demain. Et la prochaine rencontre avec l'école de prière, c'est dimanche à partir de 22h. Voilà, donc shalom à vous. Que Dieu bénisse. Soyez fortifiés, soyez bénis. Seigneur, merci. Que ta grâce abonde dans la vie de ces bien-aimés. Fais de nous des hommes de prière, des femmes de prière. Aide-nous, donne-nous cette énergie afin de toujours être dans ta présence. Seigneur, ceux qui souffrent actuellement, qui sont en train de suivre cette vidéo, Dieu les guérit. Ceux qui ont des difficultés, Seigneur notre Dieu, apporte la grâce et l'abondance dans leur vie. Seigneur, accorde-leur la délivrance, s'il te plaît. Agis pleinement dans leur vie. Agis pleinement dans leur vie. Que ta grâce abonde sur eux. Seigneur, regarde la situation de ces bien-aimés. Regarde ce qu'ils traversent. Seigneur, s'il te plaît, miséricorde. Fais grâce à ces bien-aimés. À distance, commence déjà à agir dans leur vie. Ceux qui ont problème d'emploi, agis pleinement. Ceux qui ont problème de se marier, de mariage, agis pleinement. Ceux qui ont des problèmes de santé, glorifie ton nom dans leur vie. Éternel, interviens. Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi pleinement. Agis. Et que tu as dit que l'homme ne soit pas seul, la femme ne doit pas être seule. Seigneur, donne à ses bien-aimés, ces femmes, l'homme de leur vie, et ces hommes, la femme de leur vie. Agis éternellement, Seigneur, agis puissamment, et que le diable soit vaincu, que la sorcellerie qui influence leur vie soit brisée par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Crée, n'est-ce pas, ce miracle-là. Agis fortement dans leur vie, au nom de Jésus que je prie. Amen. Que Dieu bénisse. Ne manquez pas le programme de demain. Voilà, nous allons faire maintenant le programme de samedi, dimanche soir. On va avoir un direct. On aura un direct dimanche soir. Si possible, on montrera le direct de demain. On va essayer de parler un peu de la délivrance de demain. Maintenant, le dimanche soir, on parlera de beaucoup de choses concernant la prière de nuit. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire le soir pour prier. Bonne nuit à vous. Shalom. Le psaume 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Soutenez le ministère. C'est important. Depuis là, c'est Suzanne Doté qui a payé sa dîme. Shalom à vous. Shalom. Je vous aime. Bonne nuit à vous. Je n'ai pas fait mon sport.